vaillante équipe est composée de Jean-Jacques Perroni. Présent. De Bernard Mabille. Présent. De Jacques Maillot. Présent. De Philippe Chevalier. Présent. Et d'Amanda Lyon. Présent. Et puis, notre invité d'honneur que nous connaissons bien, mais que nous redécouvrons toujours avec plaisir. Il a tourné dans le plus grand dénuement une histoire de miséreux et il a tenu, par honnêteté et par économie, à ce que les décors et les vêtements soient naturels. C'est Jean-Pierre Mocky. Bonjour Monsieur Mocky, soyez le bienvenu. Voilà, toujours le même, toujours dispo pareil. Et toujours au boulot. Eh oui, sans film. Oui. On pourrait faire des émissions entières avec votre vie privée seulement. D'ailleurs, on l'évoquera tout à l'heure. Parce que je me suis aperçu, en l'étudiant, cette vie privée, que on vous a reçu peut-être une dizaine de fois depuis 37 ans. Et puis, on connaissait rien sur vous. Alors là, je vous promets des révélations. Et là, le prétexte, c'est la sortie d'un livre qui s'intitule Le Mentor. Ça fait un peu vieillot. Pourquoi d'un pas film, le coach? Non, parce que le mentor, ça me plaît bien. Je trouve c'est pas mal. Bon, c'est un peu vieux, mais on est un peu vieux quand même aussi. Mentor, si je me souviens bien, c'était le conseiller d'un prince chargé de son éducation. Et moi, je voulais appeler ça le Pygmalion. Aussi. Mais enfin, c'est très connu. Ça fait un peu zoo au cirque, un Pygmalion. Oui. Alors, on peut pas dire aujourd'hui que vous êtes plus maltraité que précédemment, puisque il va y avoir 3 salles parisiennes qui vont afficher votre film, et 25 en province. Voilà, 25, et puis ça augmente de jour en jour, parce que le film est déjà passé en province et il a marché. Parce qu'on a connu le temps où il était juste dans ma petite salle, oui. Comment va-t-elle, cette salle-là? Très bien, mais elle a changé de rive. Desesperado. Elle est sur la rive gauche, maintenant. Ça s'appelle le Desperado, et ça se trouve 23 rue des Écoles, à côté de la Sorbonne et de l'autre. Combien de places? 200. 200. Mais avec deux salles. Alors, il y en a une qui fait les films américains, les vieux films que j'ai toujours adoré. Et l'autre qui fait que du Mocky. Non, qui fait que des vieux films. De 1930 à 1960. Moi, j'y suis presque pas. Ah. On présente Les Enfants du Paradis, Visiteurs du Soir dans une nouvelle version, restaurée, etc. Enfin, on fait beaucoup de choses. C'est un ciné-club. Ouais, c'est vachement. Et on ouvre un nouveau cinéma qui est de l'horloge, donc voilà. On fait pas mal de choses quand même. Ouais. Cette histoire ne se déroule pas dans les milieux huppés, hein. Non. C'est pour ça qu'elle rejoint bien le climat actuel. Actuel, hein. Oui, c'est l'histoire d'un mec qui avait une entreprise et puis qui a été ruiné et il est dans la rue mais il est bien habillé. Donc il a l'air d'un type normal, il a pas l'air d'un SDF du tout. Mais il couche dehors et donc il vit avec les SDF et un jour dans un café il entend une jeune fille qui va se marier avec un con, mais un vrai con. Alors il se dit merde, j'ai pas de fille, j'ai pas d'enfant, je fous plus rien, je suis dans la rue, ben je vais m'occuper de cette fille, mais pas pour la baiser, pour lui trouver un mari, pour lui trouver un boulot. Il est bien, c'est un mec bien. C'est le rôle que vous vous êtes attribué. Exactement, je suis un type bien, moi, donc. Par conséquent, je joue le rôle d'un type bien. Bon, alors j'ai trouvé une fille, genre Bardot, parce que j'avais fait des essais avec Bardot dans Manina, la fille sans voix, là, il y a très longtemps, très très longtemps. Et elle ressemble un peu à Bardot. Où l'avez-vous trouvé? Mais j'ai fait des auditions. Oui. Et des auditions sérieuses, hein. On vous connaît. Parce que maintenant, les auditions, vous savez, les gens arrivent avec une robe de chambre, avec leur quéquette dehors, et puis ils reçoivent des dames pour trouver des rôles. Et ils consomment. Moi, je ne consomme qu'après. Une fois que la dame a eu son rôle, parce que je trouve dégueulasse de faire du chantage, dire je te baise et tu as le rôle. Alors, j'attends quel est le rôle après. Oui. C'est elle qui décide. Alors, là, c'est la situation inverse, c'est votre jeune actrice qui va attendre que vous passiez à l'acte. Voilà. Non, parce que normalement, vous savez, entre 60 et 70 ans, il y a des pannes. Oui. Des pannes sexuelles, on ne bande plus. Oui. Après, on peut rebander ou alors pas. Alors, le type, il se sent bien avec cette jeune fille parce qu'il est interdit de sexe.
C'est-à-dire qu'on son médecin lui a dit, mon vieux, pendant un moment, faut plus que tu fasses quelque chose. Donc, il est moralement, il est bien. Il est orgueilleux. Je suis avec la jeune fille, mais je ferai rien. C'est un beau personnage, hein, ça. Un beau personnage, hein. Alors, j'imagine que vous vous l'êtes attribué parce que ça vous économisait un cachet. Ah déjà. Oui, et puis Alain Delon a pas voulu le faire. Bon, alors, il est trop cher, il coûte 600 000 euros. 600 000 euros, c'est le budget de 6 films, hein. Alors, ça va pas. Alors, nous allons vous présenter le catalogue des grosses têtes, voilà. Et vous allez choisir le traitement que vous souhaitez vous voir réservé. Baraque foraine me paraît. Ça vous paraît bien. Elle a beaucoup de succès, notre baraque foraine, parce qu'elle est plus musicale, plus festive. Non, mais il faut vous dire que j'étais l'assistant de Fellini et que Fellini était un homme de cirque. Oui, oui. Et après, j'étais l'assistant de Tati, et c'était également un homme de cirque. Oui. Et Serrault, mon ami, était un homme qui adorait le cirque. Alors, donc, profitons-en, puisque vous emmenez de nouveau Popol au cirque, pour ouvrir la baraque foraine et choisir, pour commencer, la personne qui tiendra la baraque. Ah ben là, je dois apprendre mon ami Philippe, parce que c'est mon pensionnaire. Ah, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est une de vos dernières recrues. On en parlera tout à l'heure. Eh bien, allons-y. C'est la baraque de l'inédit du jamais vu. Vous allez voir les plus grandes vedettes, les plus grands réalisateurs. Et voici pour Monsieur Mocky qu'on s'arrête sur ceux qui ne nous regardent pas. Voilà. Allez, dedans. Hein. Alors, là encore, vous avez la liberté de choisir la grosse tête qui va vous poser des questions qu'on ne devrait pas vous poser. Ah ben, écoutez, la dame, madame, pareil, tout à fait... Madame Amanda. Voilà. Madame Amanda est une personne... Madame, ça fait un peu voyante dans les fêtes foraines. C'est une demoiselle avec laquelle j'aurais pu tourner et j'espère un jour le faire. Mais on le fera. Non, mais elle se tourne. Alors, en avant. Les questions qui ne nous regardent pas. Combien de centaines d'euros vous sont-ils nécessaires pour entreprendre le tournage d'un film? Des centaines d'euros. Des centaines, quelques centaines. Disons 50 000, ça fait combien de centaines? Ah oui, à partir de 50 000, vous pouvez tourner. Si vous me donnez 50 000, je fais un film avec vous comme vedette. On peut faire un film avec 50 000 euros. Ah oui. Dis donc. C'est mais en décor. Parce qu'on ne paye rien, donc non. Si vous le faites gratuitement, c'est bon. Oui. Parce qu'on ne paye que les repas. Il faut payer la technique. Et la technique, oui. La pellicule. L'équipement, la technique. Aujourd'hui. Ouais. Ben oui, les gens travaillent. Enfin, décor naturel, éclairage naturel. Naturel, décor. On se maquille soi-même. Très souvent, les. Pas de maquillage. Non, surtout pas. Surtout pas de maquillage. Seules quelques femmes. Quand il y a des costumes, on va dans une arrière-salle de café. On va au chiffonnier des Maüs. Oui. Il faut les faire travailler. Dis donc. Bon, alors les acteurs, accepteriez-vous de prendre dans l'une de vos distributions un très mauvais acteur, si vous proposez lui de financer le film? Oui, mais je lui donnerai un rôle muet, parce qu'il serait... Il parle faux. Les mauvais acteurs parlent faux, donc s'il parle pas, il peut être pas mal. Oui. Un peu de sexe. Pouvez-vous nous citer des témoignages attestant qu'à 80 ans, votre libido est toujours au beau fixe? Il est au beau fixe, ça dépend des jours. Témoignage. Quand il pleut, il est moins bien. Mais... Ah ben vous n'avez pas de chance depuis un moment, là. Il y a des témoignages? C'est l'hiver qui est long, pas le reste. Vous savez, les témoignages, c'est entre 30 et 100 ans. Mais enfin, 100 ans, une centenaire, je m'en suis jamais fait une. Ah ouais. Mais je me demande, il y en avait une qui était pas mal, c'était Gisèle Casadesus. J'ai trouvé qu'elle était pas mal. Ah oui, elle est belle, 100 ans. Parce qu'elle faisait pas 100 ans. Elle-même pas, c'est une jeunette de 98 ans. Oui, oui. Elle est pas mal, elle est grave tout. On dirait qu'elle en a 50. Elle est dans un film, là. Oui, oui. Oui, elle est très bien, elle est très bien, bravo. N'avez-vous pas vous-même un jour offert des fleurs à une fille? Si, mais je les avais pris au cimetière parce que j'avais. Et puis vous savez ce qui est triste dans les fleurs, c'est que vous offrez des fleurs et les femmes les arrosent pas. Ah bah oui, alors voilà. Elles meurent peu à peu et ça me fait de la peine. Oui. Alors il vaut mieux de pas les offrir. Moi, ou alors c'est pour un petit... ça, c'est parce que vous êtes radin et vous voulez pas aller chez le fleuriste. Oh, mais les fleuristes sont pas très chers. Vous savez, on peut avoir une rose au supermarché pour un euro. Oui, c'est vrai. Vous aviez retiré la banderole à mon cher cousin, non, quand même. Ça l'a fait mal. C'était pas une fleur artificielle, c'était. Mais enfin, on sait que votre théorie, c'est qu'il ne faut pas faire de cadeaux aux femmes.
Non, parce qu'elle se tire avec et plus ou moins. Voilà. Non, non. Ben oui, elle offrait des visons, tout ça. Après, elle fout le camp avec un mec et elle remporte tout. Elle rendort rien. Ah oui, c'est vrai. On peut offrir une bague, mais il vaut mieux offrir une fausse parce que de toute façon, elle ne voit pas la différence. Notre luxe, il paraît que c'est de boire une bière à la terrasse d'un café en regardant passer les gens. Oui, c'est ce que je faisais avec Bourville et avec Jeanne Moreau. Pourquoi ? Parce qu'ils se cherchaient leur costume et ils regardaient passer des gens. Quand ils voyaient quelqu'un qui leur plaisait avec leurs vêtements, ben, ils prenaient les vêtements pour le film. Alors, c'est une tradition de regarder passer les gens, de compter combien il y a des gens avec des colliers de barbe, des gens qui sont petits, grands, avec des lunettes. C'est marrant. C'est un jeu, en fait. Et on peut passer une après-midi comme ça, regarder les gens passer. Quelle boisson miraculeuse vous permet de conserver à vos cheveux votre couleur d'origine ? Je ne suis pas teint. Ben oui, je vois, en effet. Oui. Bien que les poils du cul, on doit les teindre quand même. Non, mais je veux dire... Ils se teignent naturellement. Ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai. Monsieur Chevalier est un artiste. Vous êtes pas blanc du tout. Vous me demandez comment on peut garder des cheveux noirs et garder des cheveux, en général. Vous avez beaucoup de cheveux, oui. J'en ai encore beaucoup à mon âge. C'est du Cahuzac, non? Moi, mon problème, c'était que je vivais en Tchétchénie à un moment et qu'en Tchétchénie, les gens ont les cheveux noirs, même à 100 ans. Et pourquoi? Parce qu'ils boivent du lait de jument. Et alors, on a parlé beaucoup du cheval de Roumanie qu'on a retrouvé dans des steaks, des machins, mais le lait de jument conserve les cheveux noirs. C'est pour ça dans la vallée heureuse aux Indes, eh bien, les gens ont des cheveux noirs, même quand ils ont, je sais pas quel âge. À cause des juments. Enfin, grâce aux juments. Mais ici, en France, on ne traite pas les juments. Ah non. Mais je sais pas pourquoi. C'est vrai. On les fait courir et sur le lait, il faut le boire ou il faut le se laver avec? Il faut le boire. Tu te le fais pas en piqûre, imbécile. Mais non, mais je croyais que c'est faire des shampoings avec. Tu te le mets pas. Non, c'est simplement d'en prendre. Tu peux essayer le chocolat poulain, mais c'est moins efficace. Et le lait d'ananas. Il n'y a plus rien. Je sais tout. Merci, madame Amanda. Alors, dites donc, Catherine Deneuve accepte de tourner avec vous. Bon. Ben, elle a déjà fait une fois, elle faisait une vieille qu'est-ce fille. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la persuader de tourner avec vous, sachant que, elle devait le savoir au départ, elle gagnerait pas une fortune, hein? Non, mais je l'ai eue en 86, elle n'était pas trop chère à ce moment-là. Ben aujourd'hui, elle est plus neuve, vous pouvez la voir d'occasion. Voilà. Mais c'est une fille formidable, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, parce quand elle travaillait avec nous, c'était un garçon, finalement. Elle avait une autorité sur tout le monde, etc. Elle est très autoritaire, mais très gentille et très professionnelle. J'ai été ravi de la rencontrer, et j'ai travaillé avec sa fille récemment, et je vais travailler de nouveau avec elle. Vous allez lui donner un rôle qu'elle n'a pas dû accepter facilement, quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est que les SDF me tourmentent. Je voudrais faire quelque chose pour eux. Alors, j'ai commencé avec ce film, Le Mentor, où je fais un SDF, mais je veux qu'à un certain moment, il n'y ait plus de SDF dans les rues. Voilà, mon but, si avant de mourir, je peux faire ça. Alors, qu'est-ce que Catherine Deneuve vient faire là-dedans? Elle vient faire un film qui s'appelle Impasse de l'Espoir, dans lequel je réunis Alain Delon, Belmondo, Jean Reno et Deneuve, et peut-être Depardieu, qui seront les piliers du film. Et après, ce sont des gens de la rue qui joueront leur rôle. Mais Deneuve, quel sera son rôle? Elle fera une vieille Miss. Une ancienne Miss France. Voilà, une vieille Miss France. Est-ce que vous n'êtes pas, marié avec une ancienne Miss France? Elle aurait pu tenir le rôle aussi. Oui, mais ce n'était pas Catherine Deneuve. Le principe, c'est d'avoir quatre piliers qui soutiennent le film. Oui. Quatre personnes. Mais quatre piliers, vous avez l'accord de Depardieu Depardieu, en ce moment, je le vois souvent parce que je suis parrain d'un de ses restaurants. Par conséquent, je suis redevenu... Mais on mange très mal dans ce restaurant, d'ailleurs. Je ne donnerai pas là. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. C'est mon restaurant, mais je mets pas les pieds dedans. Là, vous êtes sûr de l'avoir. Non, alors moi, je vais vous dire, le secret de Jean-Pierre Mocky, c'est que les comédiens, les acteurs l'adorent. Écoutez Richard Bohringer. Jean-Pierre Mocky est un des hommes de ce métier qui m'a jamais abandonné. Jamais laissé tomber. Jean-Pierre, c'est... Parce qu'au moins, quand il vous tend la main, on est sûr qu'il n'y a pas trop d'argent dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a fait rétrécir ses fenêtres et ses portes. Et que je lui dis, mais attends, Jean-Pierre, d'habitude, je rentrais de face. Et maintenant, je suis obligé de rentrer de travers. Il me dit, c'est pour les huissiers.
Là, dernièrement, l'année dernière, j'ai fait un film avec lui. Je travaille beaucoup avec lui parce que c'est un inventeur. Il est insupportable. Il est tout ce que vous voulez, mais il a une lumière créative incroyable. Quoi. Je suis derrière des barreaux, comme on fait des films avec 2,50 francs et ainsi de suite. Évidemment, les barreaux sont en bois, cloués comme ça. Donc, les barreaux bougent vachement. Je lui dis, je suis derrière les barreaux. Je lui dis, Jean-Pierre, putain, là, il bouge quand même de temps. Il me dit, mais on s'en fout qu'il bouge. L'important, c'est que vous soyez derrière. Comment avez-vous persuadé Philippe Chevalier de rejoindre votre distribution? Mais écoutez, je l'ai connu chez vous, Philippe, avec Las Palais et toute la bande, avec tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Mais Philippe est un grand comédien. Alors, il ne faut pas qu'il rougisse, mais c'est un grand comédien. Il me fait penser à... Il peut rougir s'il filme est en couleur. Oui. Non, mais c'est un acteur que j'utilise maintenant pratiquement dans tous mes films. Parce que c'est Céro, c'est Pierre Freinet. Enfin, vous savez, c'est ces acteurs qui peuvent tout faire. Ça vous embouche un coin, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, on le voit dans toutes sortes de choses chez moi. Et là, vraiment, et dans le dernier avec Las Palais, il était en lutte avec des nains. Vous voyez, on peut faire tout avec lui. Ça ne changeait pas beaucoup d'ici. Hein. Ah, ça, je ne l'oublierai pas. Je ne l'oublierai pas. Ici, il y a des géants aussi. Non, mais c'est un vrai bonheur de travailler avec Jean-Pierre. D'abord, c'est un directeur d'acteur extraordinaire. Quand on est parfois un peu perdu par rapport à un texte qui a un côté un peu baroque, il vous dit le petit mot qu'il faut et hop, ça y est, on enclenche la vitesse. Le petit mot, c'est gratos. Ah ben, mais... Non, mais d'ailleurs, moi, je m'inscris en faux parce que j'ai toujours eu des émoluments. J'ai toujours été réglé. Il a été rubis réglé. Sur longue. Pas cher, mais il est réglé quand même. Oui, vous devriez lui donner quelques-uns de vos cheveux parce qu'il est en déficit. Oui, ça c'est vrai. Oui. On fait tourner la roue, monsieur Chevalier. Allons-y. Il faut maintenant, on va arriver, oh là là, à la vie privée de Jean-Pierre Bocchi. Alors, la vie privée, qui va vous poser les questions? Écoutez, alors monsieur Mabi, qui est un pensionnaire futur, parce qu'il n'est pas encore entré dans la boîte. Mais j'ai failli, hein, Il a failli, mais il n'était pas libre. Parce que ça arrive aussi. Alors Jean-Pierre Mocky, sur vos 17 enfants, combien en avez-vous reconnu? Finalement aucun, parce qu'il faudrait faire, si vous voulez, un test ADN à chacun d'entre eux. Or, je suis encore vivant, parce qu'on déterre les gens pour faire des ADN. On a déterré mon temps, malheureusement, pour voir s'il était le père de quelqu'un. Moi, je crois qu'un monsieur ne peut pas savoir si l'enfant est de lui. Il n'y a que la femme qui peut le savoir. Déjà, on n'est pas sûr de la mère, aujourd'hui. Je ne sais pas. Alors, moi, on m'a donné des enfants comme ça. J'en ai un peu de par le monde, parce que j'ai beaucoup voyagé. Il y en a qui portent votre nom ou pas? Oui, il y en a certains. Il y a ma fille, il y a mon... Non, ils ne portent pas vraiment mon nom. Parce que, vous savez, quelquefois, les enfants n'aiment pas trop porter le nom de leur père, parce que ils disent, je vais être le sous, le fils à papa, ou la fille. Alors, ma fille, elle a gardé mon nom normal, enfin, seul mon vrai nom. Et puis mon fils a gardé le nom de sa mère. Bon, finalement, tous ses enfants, j'en ai un alors qui est aussi âgé. On va faire le détail. Il est aussi âgé que nous. Non, quand je sors avec mon fils. Alors, j'en ai un, il a 67 ans, puisque je vais avoir 80 ans, et je l'ai eu à 13 ans. Donc, il a bien 67 ans, celui-là. Alors quand il sort. Vous travaillez, lui est à la retraite, c'est oui, ça? Oui, alors, moi, je travaille, lui, il est à la retraite, exact. Et quand je sors avec lui, très rarement d'ailleurs, on croit que c'est moi le fils. Alors ça fait bizarre quand même, parce qu'il a pas eu la même formation que moi, c'est-à-dire il a pas le même physique que moi, quoi. Il en a pris un coup. Bon, voilà. Moi, j'en ai pris moins, parce que je me refais pas, parce que les autres ils se font refaire et puis ils peuvent plus bouger la tête parce qu'ils se sont fait tirer la peau. Il paraît qu'on prend la peau du cul pour la mettre là. Je sais pas si c'est vrai. Faut demander à Cahuzac. Il y en a beaucoup qui ont un collier. Hein, quand tu serres les fesses, t'as les paupières qui se ferment. Combien de pensions alimentaires avez-vous versé à leur maman? Aucune. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que ce sont mes enfants. Parce qu'il n'y a pas eu chantage. Parce que souvent, il y a une fille qui arrive et dit tu es le père de mon enfant, donne-moi du fric. Et c'est des aventurières, ça. Mais personne ne m'a demandé d'argent. Par conséquent, je pense que ces enfants sont peut-être de moi. Ce qui prouve que vous n'avez couché qu'avec des filles qui vous connaissaient bien. Alors, 17 enfants, Jean-Pierre, 17 enfants, combien d'arrière-petits-enfants? Je ne sais pas, je dois être arrière-arrière-grand-père.
je sais pas, 13 ans, 26 ans, ça fait déjà, hein, 39 ans, 40, enfin bon, on voit combien on peut être arrière de quelque chose à ce moment-là, quand on a 13 ans, le premier, tout ça. Ah oui, c'est un calcul un peu difficile. Je me sens pas grand-père du tout, parce que le grand-père, il est là, j'ai les enfants, tout ça, il est tout le temps là, donc moi non. Que font dans la vie vos jumeaux siciliens? Je crois qu'ils sont dans la mafia, mais j'en suis pas sûr. Oh, bah là, vous êtes... Je ne les ai jamais pris sur le fait. Ah, là, vous êtes tranquille. Ils sont habillés bizarrement. Ah, ouais. Ils ont le costume. Exact. Ils vous envoient de leurs nouvelles sous forme de jambon. Et de l'huile d'olive, mais de première extraction. Parce que l'huile d'olive, on en parlera une autre fois, il faut demander. Oui. Enfin, il y en a... Elle est pas, y en et a votre fille, elle vous envoie de l'huile vierge, non? Ma fille fait de la télévision, voilà. Fait c'est la canadienne, animaux. C'est la canadienne. Non, c'est une jeune, celle-là. Ah. La canadienne a 60 ans. Elle est chaude. Elle sucre les fraises. Elle est chaude, la canadienne. Non, mais quand je dis qu'elle sucre les fraises, c'est qu'elle cultive des fraises, en fait. Elle vous envoie du sirop d'érable. Et du sirop d'érable, mais elles font les fruits, là-bas. Au Canada, ils aiment les fruits. Votre petite Australienne, vous avez une petite Australienne? Oui, mais elle qui est élève même... des kangourous, mais elle souvent la main à la poche que vous. Non, elle élève des kangourous, mais je suis fâché avec elle parce qu'elle les mange. Et moi, je ne veux pas qu'on mange des kangourous. Ah, oui, parce que je trouve que c'est un bel animal. Ah, dans les lasagnes, c'est bon. Ceci dit, elle n'est pas jeune non plus. Elle sucre pas les fraises, celle-là, mais elle n'est pas très jeune. C'est un animal sympathique pour vous, parce qu'il a beaucoup sauté, lui aussi. Oui, mais je l'aime bien, il a une bonne tête. Et enfin, quelle est votre recette des crêpes aux épinards? Ça, c'est un plat tchétchène. C'est très bon. Vous faites des crêpes, vous mettez des épinards dedans et puis vous les roulez comme des pâtés impériaux, si vous voulez. C'est des après, vous impériaux. Allez au restaurant parce que c'est pas bon, hein. Non, c'est bon. Moi, je l'ai fait bien. Vous arrivez à faire des crêpes aux épinards sans épinards? Non. Avec des épinards roulés dedans. Mais vous les cuisez avant. Les épinards sont cuits d'abord. Comme un trou d'aile, si vous voulez. Mais c'est des crêpes au blé noir, pas là. Non, au blé blanc. Au sarrasin. Ah, on peut le faire au sarrasin, mais le sarrasin. Ah, a un goût c'est plus cher le sarrasin. Ah oui, oui, oui. Oui. Merci monsieur Mabille. Alors, un autre souvenir sonore, bien sûr, celui de Bernadette Lafont. On allait chez Tati pour les vêtements et même il marchandait chez Tapi. On lui disait, mais enfin quand même, vous êtes chez Tapi. Tati. Et en sortant, il y avait, vous savez, ces espèces de paniers où il y a des foulards, des trucs comme ça, pas cher et tout. Il en piquait un. Il me dit, prenez-en un. Voilà, je vous offre ce foulard, Madame Lafont. C'est pas cher, d'ailleurs Catherine Deneuve a acheté ces collants là. Ah oui, boulevard de Rennes, ouais, elle allait là-bas, elle l'a dit d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit. Ah, vous connaissez toutes les bonnes adresses, hein. Ah oui. Alors maintenant, eh bien c'est la vie professionnelle, et la vie professionnelle c'est le film qui sert d'alibi à notre entretien. Alors là aussi, il faut désigner une grande voix chère. Monsieur Maillot. Monsieur Maillot. Eh ben, après, alors... le dernier, ça sera donc notre ami. Bon, bon. Alors, cher Jean-Pierre, en quoi Le Mentor est-il un film féministe? Ben, j'essaye de sauver des femmes dans le film. Oui. Parce que cette jeune fille, j'essaye de lui trouver un bon mari, un bon boulot, et de lui éviter, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les divorces, il y a 60% de divorces, oui. Et non pas 50%. 60% de divorces, oui. Chez les jeunes. Et chez les vieux aussi, d'ailleurs, malheureusement. Bon, alors, donc, j'essaye... C'est pour ça que le film est féministe, parce que j'essaye de faire quelque chose pour elles. Parce qu'elles sont quelquefois esservelées, elles se font baiser par n'importe qui. Et ça se passe mal après. Ouais. Donc, j'essaye de faire quelque chose. Mais enfin, je peux pas faire grand-chose, sinon... Ouais. C'est non, mais le principe, le postulat du film est féministe, on a compris. Voilà. C'est un homme de cœur, qui aime une femme qui a une belle poitrine, elle... Elle n'a pas une si belle poitrine que ça. Elle a une petite poitrine, ce qu'on appelle les petites poitrines bien fermes. Ah oui, mais c'est pas bien ça. C'est pas la coopérative laitière. Oui. C'est pas les seins en poire qui sont très jolis. Oui. Seins en poire, parce qu'ils se tiennent. Les seins en poire, j'ai remarqué qu'ils se tiennent mieux. Ah oui. Mais c'est des petits seins qui réjouissent la main de l'honnête homme. Voilà. Oui. Avez-vous eu du mal à vous glisser dans la peau d'un personnage sans femme,
vous qui les avez, on peut le dire, collectionnés. Oui, mais je les ai collectionnés à une certaine époque. Je suis resté fidèle pendant un moment quand même, pendant quelques mois. Non, c'est vrai que... collectionner des femmes, en fait, si vous voulez, c'est un métier qui permet de connaître beaucoup de femmes. Ouais. C'est pas un métier, voilà, oui, où on voit pas de femmes. C'est on facile, en voit toute la journée, facile. On en voit le soir au théâtre, on en voit dans la journée au cinéma. Donc, il y a énormément de choix et surtout de possibilités. Donc, voilà. Ceci dit, je trouve que ces liaisons que j'ai eues étaient très brèves. Parce que moi, je pense qu'un homme, lorsqu'il rencontre une femme, au bout de 48 heures, il sait si elle est, si ça va lui convenir ou pas. Ouais. Donc, on continue pas, quand on voit que ça marche pas, on s'arrête. Avant, donc, même avant. Voilà. C'est-à-dire, même au bout au d'une bout heure. Au bout de 48 heures, vous vous demandez s'il y aura un troisième jour, mais voilà. Ça va pas plus loin, quoi. Alors, c'est pour ça que, mais on m'a dit que j'avais beaucoup de femmes, et je les ai eues très peu de temps. Ah oui, voilà. Peu de temps. Très peu de temps, je suis pas vécu. Il y a un turnover. Donc, ouais. Voilà, ça tourne. Ouais. Ça rentre, ça sort, quoi. Eh oui. Mais non, c'est pas reproche, hein. C'est... Non. Bon, la avec vie, la on est plutôt admiratif. Dans le fond, vous avez la vie qu'on aurait aimé avoir. Non, mais c'est-à-dire, je me dis qu'un homme et une femme qui sont mariés depuis 50 ans, combien de fois ils ont fait l'amour en 50 ans? Beaucoup plus que moi, avec des partenaires différents. Mmh. Parce qu'ils le font trois fois par semaine, en général, quand ils sont jeunes, ou quatre fois. Alors, multiplier les années, ça fait beaucoup. Trois fois par semaine, c'est les deux premières semaines. Oui. Après, c'est... Et puis, vous savez ce que disait Léo Ferré, hein. Bah, un cul, on en a vite fait le tour. Voilà. Est-ce qu'un homme à femme comme vous ne peut draguer que des femmes à hommes? Des femmes à hommes? Oui. Ouais. Non. Non. On peut draguer. Vous savez, quelquefois, c'est des bons coups. Même quand elles sont pas belles, on peut mettre un masque. Ouais. Oui, c'est-à-dire que le corps est beau, la tête quand on est moins pas belle. De masque, il y a toujours on met un oreiller. Le Bardot, le masque de Marilyn Monroe, un masque, et ça marche très bien. Ouais, parce que le corps est beau. Il y a des femmes qui ont des très beaux corps. Oui, et qui ont une tête, malheureusement, un petit peu bizarre. Alors, à ce moment-là. Il y a toujours l'oreiller quand même. Oui, il y a l'oreiller. De leur mettre un masque. Mais si elles ont à ce moment-là, tout va bien. Voilà. Vous êtes, dans le fond, vous êtes un grand sentimental. Oui. Est-ce que vous profitez du bon rôle que vous êtes offert pour régler un compte avec les séducteurs plus jeunes et plus riches que vous? Plus riches, il y en a beaucoup. Les séducteurs, vous savez, pas reparler de grands jeunes premiers français, mais ils sont tous cocus. Finalement, c'est bizarre parce que plus les gens sont beaux, plus ils sont cocus. C'est curieux. Moi, j'ai connu des tas d'acteurs qu'on peut pas citer, mais vous les connaissez puisque c'était des jeunes premiers connus depuis 50 ans. On peut les prendre tous. Ils ont pratiquement été tous cocus. Alors c'est bizarre quand même, parce qu'ils sont beaux, et puis finalement, voilà, ils sont... C'est curieux. Moi je trouve ça curieux, parce que... C'est un truc qui m'est jamais arrivé, ça. Non, mais parce qu'à partir du moment où vous connaissez des femmes, et ces femmes sont amenées à connaître d'autres hommes, vous entrez dans le cercle infernal. Ah, c'est un cercle. L'homme qui serait puceau à 60 ans n'aurait jamais été cocu non plus. Le problème, c'est qu'on peut pas les baiser toutes, comme disait un de mes personnages, c'est pas possible. Ça prend du temps. Mais si vous allez vous regarder, vous dites celle-là, comment je peux faire pour les avoir toutes? Je peux pas. Oui. C'est triste de pas faut les avoir. Faut toujours avoir un petit billet avec soi. Ah oui. Qui dépasse de la poche. Ah oui. J'imagine, chère Amanda, que vous devez être horrifiée par ce problème. Je suis effondrée. Machiste total, macho, traiter les femmes comme des objets, mais quelle horreur. Ah oui. Ça fait rêver, hein. Ben un homme, c'est machiste par excellence. Mais ceux qui le disent mais c'est vrai, ne sont pas, ben c'est des fauchetons. Alors. Et voilà. Alors évidemment, c'est un constat, une constatation. L'homme ne peut pas être fidèle, c'est impossible, c'est dans sa nature. La femme non plus d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que donc je sais pas pourquoi les gens se mettent ensemble. Comme dit Jean-Pierre, 48 heures maximum. Allez hop, au prochain. Il y a 15 millions de célibataires, Amanda, aujourd'hui, femmes célibataires, 15 millions paraît-il. Donc un quart de la population. Ça veut dire que quand même, elles ont une vie. Au boulot, oui. Il y a 15 millions de femmes célibataires. Ah, c'est pas moi qui ai trouvé ça, hein, ça existe, c'est des statistiques. Michel Galabru a témoigné aussi un jour, il avait gardé le souvenir d'un film que vous aviez tourné ensemble, c'était L'Ibis Rouge. Oui, alors, on tournait dans une cave avec Michel Simon, Mocky, son caméraman, là, qui était charmant. Autant Mocky était nerveux, angoissé, autant il était là avec son truc. Il disait, fais pas chier.
On va tourner, on tourne, on tourne, la selle, tu me fais perdre du temps. N'emmerde pas, veux-tu. Et puis alors, enfin, Michel Simon descend. Michel Simon est prêt, criait Mocky. Mocky, à juste titre, Michel Simon, il avait une passion, c'était très net, et il voulait le ménager, tout faire pour lui. Michel Simon descend, vite, 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 il est prêt, il est maquillé, pour pas qu'il attende. Fais pas chier, veux-tu? Et Michel Simon tourne deux scènes, ce qui est très rare, parce qu'il est accepté, en général, qu'une prise. Il tourne deux prises. Et Mocky lui dit, ah, c'était admirable. La justesse, c'est extraordinaire, c'est formidable. Mais quelle prise préférez-vous, la première ou la deuxième? Je les emmerde tout un d'un. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, mais c'était merveilleux. C'était pas facile, hein, Michel Simon. Oui, mais on s'aimait bien. C'était ouais. Un type formidable. Bon, comme Bourville, c'était des gens d'une autre époque, et maintenant, il n'y a plus ces gens-là, malheureusement. Mais même moralement, ils n'existent plus. Si, il y a Chevalier. Ah, merci Jean-Pierre. Je vais devenir écarlate. Non, parce qu'on l'aime bien, c'est un pro, lui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pros aujourd'hui.
RTL, c'était Indochine, Memoria. Retour de vos grosses têtes à la carte, enfin des grosses têtes à la carte surtout pour l'invité d'honneur de Philippe Bouvard qui est le réalisateur Jean-Pierre Mocky. Dernier tour de roue, monsieur le pro. Alors on va arriver au top et au flop. Le top et le flop. Alors, le top, c'est votre plus grand succès. J'ai fait 100 films maintenant, presque. Donc il y a eu des flops, évidemment, j'ai pas fait 100 succès. Mais le top. Le top, c'était un film de Frédéric Dard, mon ami Frédéric. Qui s'appelait « Y a-t-il un Français dans la salle ?» Ce film-là a atteint près de 6 millions de spectateurs. C'est formidable pour moi, parce que on est loin, je suis très loin de ce chiffre-là. Alors, ça a été mon plus grand succès. Et c'était vraiment l'amitié de Dard. Et puis, on est tombé dans un monde qu'on aimait tous les deux. Et on s'est trouvé, on a vraiment communié avec Dard, comme bon, tous les deux, on était tout le temps ensemble. C'était très bien. Et le plus grand flop... Ben, c'est un film sur la pédophilie. Alors, pourquoi? Parce que Madame Ségolène Royal et Madame Bernadette Chirac ont coulé le film. Parce que j'avais décidé de faire un film sur la pédophilie qui me touchait beaucoup parce que je trouvais que c'était dégueulasse. Et il y avait eu l'affaire du trou, etc. Bon, je sais pas comment il s'appelle. Et alors, du trou, c'était ouais. Pas mal non plus. Et alors, donc, je fais un film qui s'appelle Les Ballets Écarlates en référence... au balai rose de monsieur le troquet. Le manchot du général de Gaulle. Ouais. Donc, ces balais roses, je me suis aperçu en préparant mon film que personne n'en avait parlé à l'époque. Même pas Le Canard Enchaîné. J'ai cherché des articles pour savoir qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque sur ce truc. C'est, alors, on avait parlé. Vous en avez parlé un peu, peut-être. De la grande organisatrice qui s'appelait, ouais, ça ne et s'invente du, pas. Et du chauffeur. La comtesse Pinaïev. Pinaïev, oui, mais il y avait le chauffeur. On a parlé du chauffeur, mais on n'a pas parlé des politiques, des trucs comme ça. Alors, j'ai appelé ça les balais écarlates. Je suis allé le tourner à Vienne, pas en Autriche, mais à côté de Lyon. J'ai fait le film et c'est sûr. Je me suis retrouvé les billets d'avion. Ça s'est terminé au Kremlin. Et je me suis retrouvé finalement avec un film que j'ai fait comme ça, dont j'ai interprété le rôle avec ma femme, et j'avais mis un député qui était pédophile. Et le gosse qui passait dans la rue le voyait sur un panneau électoral. Donc il le reconnaissait, et à ce moment-là, on allait le chercher, on allait démonter toute la bande, etc. Et ben le film a été interdit. FR3 devait le programmer, Mireille Dumas voulait en faire son dossier, parce qu'elle faisait un dossier sur la pédophilie. Il a été interdit, le film. Interdit. Et il est encore interdit aujourd'hui, sauf en Suisse et en Belgique. Et alors là, il marche. Il n'a pas été interdit de sortie dans les salles. Aujourd'hui, Philippe, on n'interdit plus les films, on les tue économiquement. Ouais. C'est-à-dire, on leur donne pas de salle, rien, on n'en parle pas, alors ils meurent parce qu'il n'y a rien. Personne n'en parle. Alors ce film, j'espère le ressortir avant ma mort, parce que c'était un film formidable. Parce qu'on parlait pas du pédophile malade, celui qui est cinglé, qui est malade, qui doit être à l'asile et qui tue quelqu'un dans une forêt, etc. On parle de réseaux organisés, avec des chirurgiens, des machins, des architectes, des docteurs, des politiques qui font des parties fines, alors qu'ils sont pas fous du tout, sinon fous de cette perversité. Alors... moi, c'est à cause de ça qu'on a interdit le film. Si j'avais fait un film sur un détraqué sexuel, un obsédé quelconque, on aurait dit, ben, il est malade, etc. C'est une histoire comme une autre. Un serial killer ou un truc comme ça. Mais là, alors voilà, mon film a été interdit. Je m'arrête parce que sinon, je pourrais en parler pendant des heures. Non, mais ben, c'est un aveu de flop. Et là, c'était un flop. Vous feriez le film aujourd'hui, peut-être que comme les mœurs ont évolué, il aurait moins d'ennuis et plus de succès. Ouais, ben, aujourd'hui, j'ai envie de faire un film sur les contes en Suisse et à l'île Caïman. Parce que l'île Caïman, c'est le crocodile. Je ne sais pas qu'est-ce qui bouffe cet argent là-bas. Parce que Caïman, ça donne l'impression d'un alligator. Qu'est-ce qui bouffe quelque chose là-bas. Bon, peu importe. Alors, nous allons faire éclairer notre lanterne sur un sujet qui va vous intéresser, parce que dans le fond, vous êtes l'homme de tous les fantasmes. Vous en avez quelques-uns vous-même, vous étudiez ceux de notre société de l'autre côté. Eh bien, il y a régulièrement des études menées avec beaucoup de sérieux par des scientifiques sur les fantasmes des hommes, notamment sur les métiers féminins qu'ils jugent les plus érotiques. Bonjour Patrice Macquart, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes penché là-dessus avec le même sérieux. Vous êtes le fondateur du site qui a mené d'ailleurs l'enquête, hein. C'est ça, exactement. En fait, on a, à l'occasion de la fête des secrétaires qui arrive dans quelques jours, le 18 avril, on a voulu savoir comment les secrétaires faisaient fantasmer les hommes. C'est parti de là.
Donc on a lancé un sondage sur notre site de rencontre entre infidèles et on a demandé aux hommes quels étaient les métiers qui les faisaient le plus fantasmer. Alors on a proposé de voter pour les babysitters, pour les comptables, pour les femmes d'affaires, pour les serveuses, pour les infirmières et évidemment pour les secrétaires. Alors j'ai noté avec surprise et chagrin que la religieuse était absente. C'est vrai, on s'est abstenu. Vous n'avez pas la fouetteuse non plus. Non, on n'a pas pu tout mettre, on a mis les métiers, de la vie courante. C'est la secrétaire qui est venue en tête, mais d'après la documentation que j'ai sous les yeux, la secrétaire qualifiée de docile. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot docile ? Alors effectivement, sur les 14 000 personnes qui ont répondu, on a la secrétaire qui cumule 36% des votes qui arrive en tête. Donc, là, a priori, le fantasme de la secrétaire en talons, tailleur, qui s'occupe de tout, en rendez-vous, voyage, qui va ramasser les trombones sur le bureau. Voilà, c'est ça. Et apparemment, les hommes fantasment aussi en pensant qu'elle pourrait s'occuper de leur libido, a priori. Pour qu'elle soit très petite, parce que si elle a des talons aiguilles pour aller sous le bureau, vaut mieux qu'elle porte un casque, hein. Mais c'est la secrétaire particulière, finalement. Ouais, hein. De direction, même. C'est l'assistante. La collaboratrice. Exactement. Alors ensuite, est venue... Ça m'étonne, la femme d'affaires. Qu'est-ce qu'elle a d'érotique, la femme d'affaires ? Alors ça, c'est amusant, parce qu'on reste dans l'univers du bureau, mais c'est plus la secrétaire soumise, c'est au contraire la femme d'affaires plutôt dominatrice, qui fait rêver presque autant d'hommes, puisqu'elle cumule que 29% des votes. Hein, presque un tiers. Christine Lagarde. Hein, c'est l'executive woman. Oui. C'est ça. Hein. Voilà, on n'avait pas mis de nom, mais chacun imaginera qui est ça. Ah, moi, j'aimerais bien monter Lagarde. Ah oui. Et tu lui bomberais la guérite. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite ? Il y a quand même l'infirmière qui... L'infirmière a toujours été bien placée sur ce genre de liste, hein ? Oui, elle reste en bonne position, donc l'aventure est à l'hôpital. Elle a une bonne position, Elle doit être couchée sur la vie. Ouais. Mais est-ce qu'elle doit être vraiment dans le plus simple appareil, sous sa blouse blanche ? Elle porte pas de culotte. Ça ne s'était pas précisé, mais on a 21% des sondés qui rêvent d'une aventure à l'hôpital. Ils sont sondés, Elle les sonde. Souvent sondés, oui. Mais c'est marrant qu'il n'y ait pas l'hôtesse de l'air. Ça a été longtemps un fantasme. Mais c'est fini, ça. Oui, mais t'as vu celle qui reste aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Parce que l'avion s'est démocratisé, alors maintenant... Ah, puis l'avion, ça use. Et alors, aucune actrice sur la liste, hein, monsieur Macquart. Comme je disais, on a mis des métiers de la vie courante. On peut croiser des... Il n'y a pas la femme au foyer non plus. Des métiers, on t'a dit. Bon, écoutez, merci. Nous, on va procéder là tout de suite à un petit sondage. Quelle profession ? Non, moi, les infirmières ne me font pas fantasmer du tout. Non, mais les infirmiers. Quel métier masculin ? Les femmes, c'est pareil. C'est le plombier, c'est le chauffeur, c'est le livreur, c'est toujours pareil. Un inconnu. Le manuel, toi. Comme pour les hommes, il y a cet uniforme, le côté uniforme de l'infirmière. Il y a aussi le côté uniforme qui fait fantasmer les femmes. Donc, on aime les hommes. Un militaire ? Les militaires, les CRS, les pompiers, les CRS, c'est-à-dire l'homme qui est en uniforme. Un militaire qui se déshabille, c'est un civil en caleçon. Oui, mais enfin, un treillis... Ah, il peut avoir le bâton de maréchal. Le treillis est très bien coupé. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dessiné, mais ça leur fait des fesses formidables, le treillis. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils sont moulés dans leur treillis. Oui, Et vous, Philippe Chevalier ? Une petite serveuse, peut-être. Une serveuse de restaurant avec une jupe un petit peu courte, qui fait cache-nez en même temps. Ça, c'est pas forcément désagréable. Ouais. Voilà. Ah, moi, je suis comme Philippe, j'aimais bien les soubrettes. Et puis, les hôtesses de l'air, à une époque, il y en avait des très belles. Et c'est vrai que l'uniforme d'hôtesse de l'air, ça, c'est joli quand même. Avec ça, le petit calot. Avec une petite jupe serrée, tout ça, des jolis talons, on se souvient. Moi, j'aime bien la petite dinda qui joue au tennis. La jupette. J'imagine qu'elle me ramasse les balles. Ah, c'est très, très bien. Moi, une stripteaseuse, c'est mon fantasme. Parce que vous allez au spectacle le soir, les gars, ils la regardent, ils bavent, et c'est vous qui vous la tapez après. D'accord. Mais il est pervers, ce Péroni. Les filles. Ouais. Les filles du crazy. Parce qu'elle n'est pas loin du bar. C'est le genre de filles avec lesquelles il faut être très intime pour les voir habillées. Hein. Oui, sûrement, oui. Pas de souvenirs, parce qu'on a une galerie formidable dans la Sonothèque des Grosses Têtes, et on a notamment notre cher et regretté Jean-Claude Brialy, qui raconte le tournage du Miraculé. Michel Serrault et Jean Poiret ont tourné un film avec Mocky à Lourdes. Ils n'ont pas eu l'autorisation parce que c'était un peu blasphématoire, mais ils ont pu faire des plans généraux. Donc la caméra a été
caché derrière un arbre très haut. Et puis on a mis Jean Poiré sur un brancard avec les vrais malades. Et puis au bout de 2 heures, il était au soleil, il n'en pouvait plus. Il s'est levé pour fumer une cigarette. Et tout le monde s'est mis à genoux en disant miracle. Alors, questions, et naturellement des questions de cinéma. Question de Madame Pleine de Grâce, qui a dit « Je ne fais du cinéma que parce que je suis attiré par la bonne odeur de l'oseille. » Ah, Carette ? Non. Saturnin Fabre ? Non, un grand acteur qui voulait pas qu'on le dise. Ah, Jean-Yann. Jean-Yann, ouais. Bonne réponse de Jacques Maillot. Madame Cauchois de Guéret, qui a dit, je vous le recommande, dans un monde sans femmes, on serait tous à comparer nos attributs inutiles et à se demander lequel pissera le plus loin. Ça pourrait bien être Galabru, oui. Ça. Non, alors, c'est un acteur, mais d'une génération antérieure, et qui a pas mal d'esprit et le sens des formules lui aussi. Et qui est toujours vivant. Et qui est toujours vivant. Toujours vivant. Toujours. Jean Rochefort. Brasseur. Non. Alors, un peu plus jeune. Depardieu. Il doit être entre 50 et 60. Non, et il n'a pas du tout la complexion de Depardieu. Gérard Jugnot. Non. Tarditi. Fabrice Lucchini. Lucchini. Oui. Bonne réponse de Chevalier. Alors, ces gens-là, vous leur laissez faire un bout de dialogue eux-mêmes ? Oui, mais surtout Raymond Devos, parce que Raymond, il voulait absolument faire tous ses dialogues. Il ne tournait que dans des films où il avait ses dialogues à lui. Mais autrement, vous n'imposez pas toujours vos dialogues ? Non, mais il faut laisser une part d'improvisation à l'acteur. Il faut lui dire, voilà, tu fais la scène est comme ça, ben t'as qu'à dire ce que tu veux, plus ou moins, quoi. Ah oui. Au moment qu'il est dans la scène, il faut pas le forcer à dire les virgules. Oui, surtout qu'il est pas payé, au moins qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Du moment qu'il reste dans le cadre. Il faut qu'il reste dans le cadre. Oui. Sinon, il n'aura pas droit à la retraite. Exactement ce que je lui ai dit de dire, plus exactement. Madame Lespard de Rennes demande. Quel acteur obtient un cachet de 10 millions de dollars pour tourner seulement 10 minutes? Marlon Brando, bonne réponse de Mamie. Dans Apocalypse Now. Non, c'est pas Apocalypse Now. Non, c'était Superman, je crois. Dans Superman, oui. Il faisait le père au début. Ça aurait pas été un artiste dans vos prix, ça. Hein. J'ai failli tourner avec lui en 67, mais je vous jure, avec Anthony Quinn, qui était mon ami, et lui. Et le film s'est pas fait, malheureusement. Pour moi. Ouais. Sinon, je serais pas avec vous, je serais aux États-Unis. Jean-Pierre, vous avez vraiment fait tourner les plus grands. Hein. Je dis pas ça pour moi, mais... Non, mais j'ai tourné avec les plus grands aussi, parce que j'ai tourné avec Fernandel, mais j'ai tourné avec Rému, mais comme acteur. Et j'ai tourné avec Jules Berry, Eric Van Schleim. J'ai tourné avec beaucoup de ces grands-là, qu'on ne voit plus. Jouvet. C'est une nostalgie extraordinaire. Quand on a 80 ans, on a connu tous ces gens-là. Oui. Il y a votre coffret qui est sorti pour Noël. Il a été enlevé. Je n'arrive pas à me le procurer. Mais on ne peut pas. Il a été vendu en 48 heures parce qu'il y en avait très peu. Ah oui. Et alors, ils croient pas que les gens viennent dans mes salles. Mais il y a du monde dans mes salles quand même. Alors, les gens, ils disent, ils sortent dans trois salles, il y a rien, jamais personne, mais c'est toujours plein, mais malheureusement. D'ailleurs, je viens bien d'être invité dans plusieurs festivals où les gens viennent. C'est bien. La bonne histoire de l'invité d'honneur. Charles Vanel, encore un grand, il a tourné avec moi et Lino Ventura a tourné avec moi aussi. Un jour, Lino Ventura appelle Charles, il lui dit, tu baises encore? Il avait 88 ans à l'époque, Charles. Il dit, je te téléphonerai quand je baiserai plus. Et il est mort sans lui téléphoner, donc il est mort à 100 ans. Donc ça veut dire qu'il a continué jusqu'à 100 ans. C'était un marin. Ouais. Et il était très sain. Parce que les marins ils ont un braquemar pendant très longtemps parce que c'est l'air de la mer, l'iode. C'est l'iode. C'est ce qu'on appelle le nœud marin, d'ailleurs. Et puis la morue, ça. Ah, bah oui. Ça aide. D'ailleurs, il y a des moulages, comment ça s'appelle? Il y a un musée à Paris. Le musée Braquemar André. Il y a la question de Madame Laporte de Digne. Pour quelle raison le film Paris brûle-t-il fut-il tourné en noir et blanc?
Perrault n'est pas des nôtres c'est aujourd'hui. C'est pour ça que l'on voit les drapeaux nazis qui pendaient rue de Rivoli en couleur. Ça exactement. Rappelait. Voilà. Eh ben, c'est une bonne réponse de Perroni. Et là, il faut saluer très bas. Ah oui, là. C'est fort. Hein c'est ah, c'est fort, hein, il faut savoir. Oui, costaud. Ça, une question que je n'ai pas posée depuis au moins 2 mois. Ah, ouais. diminuez-moi. Je téléphone à la comptabilité tout de suite. Madame Royer Donfleur, quel est le titre du premier long métrage dans lequel Gérard Depardieu apparaît? Ah bah c'est un film d'Audiard, non c'est... Oui, c'est un film d'Audiard. Le cri du cormoran, le soir du jour. Exactement. Bonne réponse de Mabir et de Chevalier. Et de Perroni. Et de Perroni et de tous ceux qui lui ont soufflé. Il a un rôle de tueur à gages. Hein. Ouais. Un tout petit rôle. Ouais. Hein, avec Darmon. Ouais. Et Bernard Blier. La honte de l'invité d'honneur. Bah écoutez, la honte, c'est que en 1952, il y a très longtemps, je devais jouer une pièce avec Ingrid Bergman. Il s'appelait Thé et Sympathie, et c'était Raymond Rouleau qui faisait la mise en scène, et la directrice était Elvire Popesco, la directrice du théâtre de Paris. Alors on me téléphone, on me dit, tu vas avoir peut-être le rôle. Alors je me suis habillé très rapidement, c'était en été, je suis arrivé dans le bureau de Popesco, mais malheureusement, ma quéquette est sortie de mon pantalon, parce que j'avais un pantalon sans braguette, vous savez, des pantalons d'été. Et je me suis présenté à elle comme ça. Alors, j'ai eu le rôle d'ailleurs. Mais bon, mais voilà. Alors, c'était ma plus grande honte. Mais j'étais honteux, je suis devenu tout rouge, évidemment. Pourquoi ? Mais parce que. Pourquoi il n'y a pas de c'était, honte c'était non, grâce à ça dans un bureau de directrice. Oh, ben un bureau de directrice, ça envoie d'autres. Hein. C'était l'été, c'était. Il faisait. Vous lui avez dit, je vous présente le metteur en scène, Raymond Rouleau. Parce qu'elle dépassait non, mais du ça show. Ça a été un détonateur dans ma carrière, parce que grâce à cette pièce que je n'ai pas jouée, j'ai gagné beaucoup d'argent, et grâce à ça, j'ai pu faire mon premier film. Donc, vous voyez, tout s'enchaîne entre cette quéquette et puis Madame May. Mais je ne comprends pas comment elle dépassait, vous étiez en short. Elle dépassait du short, oui. Non, c'était des pantalons qu'on appelait des... Pattes d'éléphant. D'où la trompe. On appelle ça. Allez, maintenant, ça s'appelle... Ah, le pescadou est pas fraîchou, ça s'appelle. Alors, oui. C'est une sorte de pyjama, si vous voulez. Ah, d'accord. Alors, normalement, on porte un slip dedans. Ça peut oui, là, ça ballotte. Ah, oui, là, ça ballotte. Le slip, tiens, c'est un peu comme les femmes qui mettent une culotte et après une jupette. Oui, oui. On devrait remettre ça là-bas. Dommage, j'avais pas mis de slip, voilà. Ah oui, donc ça s'est échappé tout seul. Et pour Pesco avait un amant à l'époque, donc il n'avait pas besoin de moi. Je suis sûr qu'Amanda, ça ne serait pas offusqué. Hein. Ben non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes portent, vous savez, des survettes, qui sont aussi remarqué, des pantalons assez amples. J'étais au repos, je n'étais pas... Voilà. Et tu vois, j'étais effrayé, donc... Ah ben, vous étiez au repos, sinon vous auriez poussé la porte avec. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes nature, et je veux dire plutôt fier de ce dont la nature vous a pourvu. Écoutez, je ne suis pas celui que vous connaissez. Non, non. Vous n'êtes pas si Freddy, mais enfin non, mais bon. Parce qu'il y en a un qui s'appelle... Ça aide quand même dans la vie. D'éléphant, hein. Il y en a un qui s'appelle... Mais je ne dirai pas son nom, hein. À la radio. À la radio. Non, à la télé. Ah oui. Non, mais je ne le dirai pas, je ne peux pas trahir, mais c'est un... C'est plutôt une qualité. C'est un docteur qu'on avait... Vous savez qu'on est obligé d'aller chez des médecins pour les assurances. Oui. Donc oui. Ils nous reçoivent tous, tous les comédiens. Et quand je suis rentré dans le bureau du type, il venait d'en voir un, il était assis, il était complètement... J'ai jamais vu ça. Il dit, c'est extraordinaire. C'était le médecin corse, hein, le médecin corse. Oui, c'est plus lui. Bah oui, maintenant il joue au golf. C'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Ah oui. Et il l'a appelé bite d'éléphant. Oui. Ouais, il l'a appelé bite de mouche, moi, quand même. Dernière citation que nous devons à Monsieur Borel de Murol, qui a dit « Les producteurs de cinéma se déplacent en Rolls-Royce plutôt que dans le métro ». Parce que dans le métro, on ne fait pas crédit. Ah oui. Ah, Gabin. Audiard. Ouais. Bonne réponse de Perroni. Eh bien oui, c'est Perroni qui va raconter la bonne histoire, enfin on espère qu'elle sera bonne, de Madame Martin de Lyon.
Alors un homme rentre chez lui et dit à sa femme, chérie, ce soir, je te baise. Ah non, demain, je vais chez le gynécologue et je vais être propre. Oh merde. Mais dis-moi, tu vas pas chez le dentiste demain, non? Elle est drôle. Elle est courte et honteuse. Ah, elle est effrayante. Et il a fait les gestes. Ah, cher Jean-Pierre Mocky, vous méritez bien hein, le certificat d'aptitude à la plaisanterie. Merci. Puisque vous savez, c'est très rare, rire aussi de vous-même. Alors, soyez remerciés d'être venus parler aujourd'hui du mentor. Souhaitons-lui une belle carrière. Ouais, c'est-à-dire... ça sera une petite carrière. Non, d'avoir de plus en plus de salles à Paris, en province. Oh, oui. Un espoir. Et que votre génie soit reconnu et qu'il continue à se manifester longtemps. Merci, bravo, à demain.